Bienvenue chez rayonrando.com, je vais vous présenter les matelas gonflables Uberlight de Thermarest. Donc trois modèles, small, regular et large. La première caractéristique de ces matelas, comme vous pouvez le voir, c'est qu'ils sont hyper compacts et très légers. 225 g pour le petit, 310 pour le standard, celui qui est pris le plus souvent. Et 390 pour le large. Les poids que je vous donne, ce sont les poids qu'on a vérifiés sur notre balance. C'est un poids qui inclut le matelas, la housse et le sac de gonflage qui est à l'intérieur. Parce que ce que vous voyez là, c'est le matelas plus son sac de gonflage. Donc vous avez des poids qui sont affichés plus faibles par Thermarest. Je pense que ce sont les poids que du matelas tout seul. Donc gros intérêt de ce matelas, c'est d'abord compacité, légèreté. Le deuxième intérêt, c'est qu'on a quand même un assez bon niveau de confort. Et je vais vous expliquer les différences par rapport à une alternative qui sont les NeoAir X-Lite. Mais d'abord, je vais vous montrer comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble. Alors, je vous fais la démonstration de la version régulière. Donc, je vous ai dit, il y a trois tailles. La petite taille, small, c'est une demi-taille. Donc, ça veut dire que vous avez les pieds sur le sol. Donc, c'est vraiment réservé aux gens qui veulent de l'ultra-légèreté. Donc, je le déconseille pour tous les autres. Dans la plupart des cas, la version régulière convient très bien. Et vous avez une version large, donc 1m96, je crois, qui convient, et 63 de large, qui va convenir pour les gens qui veulent un peu plus de confort. Donc, le principe du gonflage, c'est que nous avons une valve double flux et qui va se gonfler avec un sac de gonflage. Donc ça permet d'avoir un gonflage rapide. Je vais vous faire la démonstration. Hop. Donc il s'agit de souffler à distance dans le sac. De cette façon. De cette façon, je gonfle sans aucun effort. Je pense que j'en suis à 5 insufflations. La 6e, je pense que la 7e, ça devrait être bon. Voilà. Donc mon matelas est gonflé, vous voyez que ça se fait sans aucun effort, c'est très facile. Et le dégonflage sera très rapide également. Alors, intérêt de ce matelas, c'est qu'on a un bon niveau de confort, c'est-à-dire qu'on a une épaisseur de 6,3 cm et on a une structure de cloison triangulaire à l'intérieur qui fait qu'on n'aura pas d'effet de flottement. Donc ça, c'est la technologie NeoAir qui a été développée par Thermarest depuis de longues années et qui a fait ses preuves. Donc du coup, on a une très bonne stabilité et on peut dormir sur le côté sans problème. Les hanches ne vont pas venir toucher, il y a vraiment une bonne tenue du matelas. Donc que vous dormiez sur le dos ou sur le côté, vous allez avoir un niveau de confort tout à fait satisfaisant. Alors maintenant, vous avez une alternative à ce matelas, c'est le NeoAir X-Lite. La différence, alors il est un petit peu plus lourd, il est un petit peu plus encombrant et il est plus fin. Donc il fait 5 cm. Par contre, il est plus isolé. Donc sur celui-ci, on a une isolation, ce qu'on appelle une air value de 2,3. Donc isolation intermédiaire. Sur le X-Lite, l'isolation est beaucoup plus forte. Donc le X-Lite, si vous dormez sur des terrains froids ou si vous utilisez en 3 saisons ou en 4 saisons, c'est un peu plus intéressant. Celui-ci, il est vraiment intéressant pour la légèreté, le confort
il est peut-être aussi un petit peu plus bruyant que le X-Lite. Donc si vous êtes vraiment sensible au bruit, le X-Lite aussi peut être une alternative intéressante. Mais dans tous les cas, quand vous recherchez vraiment le matelas ultra léger, très compact, facile à mettre en œuvre, eh bien le Uberlite représente vraiment une solution intéressante. Et donc plutôt du régular dans la plupart des cas, éventuellement du large si vous voulez gagner encore un petit peu en confort sans trop prendre de poids. Voilà, donc vous retrouvez ces trois modèles sur rayonrando.com.